J'arrive. Oh mon Dieu, salut les filles. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 règles à connaître, mais vraiment, vraiment, pour comprendre les hommes, la psychologie masculinisme. On va parler de ça, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en forme, je pète la forme. Alors j'ai une petite lampe ici, un anneau, j'ai mon téléphone. On va parler des 5 règles à connaître vraiment pour que vous compreniez les mecs. J'ai fait une sorte de playlist spéciale comprendre les hommes pour que vous en sachiez un peu plus et que vous fassiez plus pigeonné par les mecs. Comme ça, je ne veux plus voir de messages et commentaires des femmes qui ne sont pas voir par les hommes. C'est terminé. On démarre et c'est parti. On va parler de la baguette. La première des choses qu'il faut vraiment que vous sachiez, c'est que les mecs, ils ont une compréhension différente de nous. Nous, on a une psychologie et les mecs, ils ont une autre psychologie. Il faut bien accepter ça, bien intégrer ça. Ils ne sont pas comme nous. C'est comme si un chat et un chien, ils n'ont pas la même psychologie. Le chat, il va chez les gens quand il a besoin d'affection. Le chien, il est tout le temps là, il te dit bonjour, il est toujours content. Le chat, non. Déclic. Oh, déclic. Nous sommes comme des chiens, hein, la psychologie des chiens, et les mecs comme des chats. C'est-à-dire, ils sortent, ils prennent tout ce qu'ils peuvent avoir. Et nous, conditionnés, hein, parce qu'on est conditionnés pour ça en fait. On est toujours là, on est contente, on dit bonjour, et on veut plus, on veut plus, on veut plus. Les chats et les chiens. La deuxième chose, ils recherchent une connexion avec nous. On va dire sur la même longueur d'onde. Mais attention, attention, évidemment, si t'as le sexuel plus l'émotionnel, c'est là que t'as gagné. Je vais te dire un truc, si c'est juste émotionnel et que c'est pas sexuel, le mec il peut tomber amoureux, hein, je te le dis. Hein. Même si on lit, c'est pas trop top. Parce que ça peut encore s'arranger. Ce que je veux te dire, c'est que abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche et partage cette vidéo avec tes copines, avec tes parents si tu veux, avec tout le monde pour qu'on soit plus folle, plus honnête, folle, plus envie. Donc ce qu'il faut, c'est une connexion émotionnelle, connexion évidemment sensuelle. Si en fait t'as une connexion avec lui, que vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde, là le mec il va s'accrocher, je peux te le garantir. Et d'ailleurs, si tu veux savoir tout ça, n'oublie pas qu'il y a par là ta formation, ton guide audio pour que ça rentre dans ton subconscient, audio. Et pour compléter, il y a le livre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on lit? Ça entre d'une autre manière dans ton subconscient. Quand on écoute, ça entre encore d'une autre manière dans ton subconscient. Donc ça veut dire que tu aurais un double subconscient de connaissances, de savoir pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Ici, c'est le livre, il est vendu sur Amazon. Je suis trop contente, ce livre. Ici, le 4e de couverture. Et attention, à la fin, il y a une surprise, mais je ne dis rien. Amazon, dans tous les pays, il est en Kindle et en livre papier. Moi, je trouve que c'est plutôt un bel objet. On va en venir. Le troisième truc, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'il recherche un mec aussi pour qu'il s'accroche, quoi, en fait? Eh bien, il cherche un pote de rire. C'est-à-dire que si tu commences à déconner avec lui, vous êtes sur la même longueur d'onde, qu'il y a une connexion, qu'il sait que tu sais que c'est un chat et que toi, t'es un chien, que lui, il le sait aussi, eh ben là, on commence à avoir quelque chose de bien solide, en fait, au niveau psychologique, d'accrochage, d'amourage, de tout ce que tu veux. Parce que la séduction et les hommes, en fait, c'est par là, les filles. Évidemment qu'on va tirer avec nos... Si t'as en plus la psychologie qui va avec pour le séduire... J'ai 50 piges, j'ai un peu de l'expérience, hein, tu vois, j'en ai rencontré des hommes. Et comme dit mon ami Bernard Mabie, j'en ai déroulé du câble. Donc je peux vraiment te parler d'expérience. Je suis ta maman, je suis ta tante, je suis ta sœur, je suis ta copine, je suis ta fille peut-être, je suis comme tu le veux. Mais je te révèle tout mon savoir sur les hommes. Attention, le prochain qui va arriver... les environs, il m'aura plu. Mais je vais tout vous raconter, tout en détail, parce que l'homme qui va partager ma vie, attention, devra être dans mes vidéos aussi de temps en temps sur mon Instagram. N'oublie pas, va me rejoindre sur Instagram, Faraquet officiel, sur mon Snapchat, Faraquet 75, j'ai dit à la belge. Abonne-toi parce que bientôt, comme j'ai dit dans la vidéo, bientôt ça va être 500€ en cash. Cache juste pour toi, regarde cette vidéo. Aussi, n'oublie pas de voir la playlist de comprendre les hommes. Tu vas avoir toute une playlist avec tout, donc tu peux regarder chaque vidéo
la 1, la 2, la 3, enfin bon bref, c'est une série, c'est une collection de vidéos pour comprendre les hommes. J'ai reçu pas mal de haters, de commentaires des hommes qui sont pas contents du tout. Ah non, 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 ils sont pas contents du tout, ils me détestent. Il y en a qui m'aiment bien, il y en a certains, mais il y en a qui me détestent parce que je dis la vérité. Je veux dire la vérité à toi, jeune fille qui me regarde, adolescente ou pré-adolescente, à toi, jeune femme, à toi, jeune femme un peu plus dans la trentaine, ou à toi, femme de 40 ans, femme de 50 ans, femme de 60 ans, femme de 70 ans, il n'y a pas d'âge pour séduire, on a droit à l'amour à tout âge. Donc, quatrième, il cherche une femme sur qui il peut compter. Mais attention, une femme sur qui il peut compter, vous savez, parfois il y a des femmes, elles sont là, ah ouais, j'ai des problèmes, j'ai des... ils ne veulent pas ça les mecs. Donc si vous avez des problèmes, on a tous des problèmes, chut, chut, ne dites rien. Vous aurez bien le temps de dévoiler plus tard quand il sera accro les problèmes que vous avez et il pourra vous aider. Au numéro 5, c'est une femme. Ils veulent une femme épanouie, heureuse. Pourquoi? Parce que quand ils voient que vous êtes heureuse avec lui, épanouie, ça le rend encore plus dingue de vous. Parce qu'ils disent, waouh, regarde cette femme. Et on va reprendre les 5 points, hein, d'accord? 1, elle comprend qui je suis, elle comprend ma psychologie. 2, elle a une connexion, on a une connexion ensemble. 3, on est des potes de rire, hein, des potes. En 4, c'est une femme sur qui elle peut compter. Et en 5, regarde comme elle est épanouie, heureuse. C'est moi qui la rends heureuse. Et là, il va faire le pont, hein, il va croire que c'est lui. Mais en fait, toi, t'as déjà compris qu'être heureuse, c'est déjà toi qui dois être heureuse sans un mec. Et surtout, que tu dois être heureuse et apprendre à t'aimer, à te lover. Il faut que tu te loves, parce que moi je te love. Donc dis-moi dans les commentaires si tu me loves aussi. Et donc, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas, 500 patates à gagner bientôt. Et rejoignez-moi partout sur les réseaux. Je vous aime, je vous love, je vous embrasse. Likez et partagez, s'il vous plaît, partagez. Ben, c'est tout ce que je voulais dire. Et prenez soin de vous. Et du coup, je crois que je vais monter sur la table. Hop, aïe! Je vais monter sur la table pour vous faire les bisous. Je suis dingue. Alors, on va couper là.